Avril 60. Le micro ne fonctionne pas. Avril 68. D'abord, une légère brume s'installe. Un petit crachin commence à recouvrir la ville. Une goutte. Il est interdit d'interdire. Deux gouttes. Sous les pavés, la plage. Trois gouttes. Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner. Et puis il y a mai 68. Une goutte, deux gouttes, trois gouttes. Elles s'accumulent, s'assemblent, s'infiltrent partout. Se jettent dans une rivière qui se jette dans un fleuve pour atterrir dans une mer. Et finit par former une vague de contestation. Ces minuscules gouttes qui formeront les changements de demain. Pourtant, séparément, chaque goutte semble presque inoffensive. Presque. Parce que nous le savons tous, ensemble, elles formeront une déferlante inarrêtable. On n'arrête pas une vague. On la contourne. On l'épouse. Elle s'épuise, elle s'écrase. Mais on n'arrête pas une vague. Vague féministe, vague antiraciste, mais aussi vague machiste et vague fasciste. Pour toutes ces vagues, le postulat de départ est le même. Rien ne sert de tenter de les arrêter. Elles l'emporteront toujours, de façon brutale et directe, ou de façon plus lente et insidieuse. Cette affirmation amène immédiatement à un questionnement. Si elles sont inarrêtables, comment expliquer que les vagues de populisme ne l'aient pas encore emporté partout? Je pense que l'explication réside dans le fait que ces vagues se sont brisées sur le socle de nos valeurs communes. Autrement dit, il faut combattre les idées par des arguments. S'opposer brutalement à la vague est aussi inefficace que dangereux. En allant la provoquer frontalement, vous prenez le risque qu'elle vous engloutisse ou qu'elle redouble d'efforts pour atteindre son but. Une idée se combat par une idée. Nos valeurs d'égalité, de liberté et de tolérance sont représentées par ce rocher sur lequel, pour l'instant, la vague se brise. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Aussi solide soit ce socle, même lorsque la vague se brise sur lui, ne croyez pas qu'elle a totalement été vaincue. Vous voyez cette falaise au loin? Vous voyez ces vagues qui explosent violemment sur elle en s'étendant de tout leur long? Au premier regard, la falaise ne vient-elle pas de stopper net cette masse d'eau qui semblait invincible? Et pourtant, ne vous fiez pas aux apparences. La vague s'est, dans un premier temps, fracassée sur la côte. Avec le temps, la falaise se sculpte un peu plus. À chaque coup, elle est rongée de plus en plus profondément. Les remous créent de minuscules fissures, invisibles à l'œil nu. Les seules déclarations de Théo Franken sont une goutte, Hopkeusen. Les publications haineuses sur les réseaux sociaux, comme celle qui compare Christiane Taubira à un singe, en sont une autre. Les propos clivants de Donald Trump, une troisième goutte. Ensemble, elles forment cette vague réactionnaire malodorante. Mais ne croyez pas que la vague s'est laissée arrêter, qu'elle est repartie dans l'océan sans laisser de traces. Elle s'est insinuée dans nos rangs. Elle a insidieusement rendu l'inaudible audible. Notre société est perméable, et c'est ce qui en fait autant sa force que sa faiblesse. Sa force, parce qu'une société perméable l'empêche d'être immuable, lui permet de s'adapter, de se remettre en question et de progresser. Sa faiblesse, parce que sa perméabilité lui permet également de reculer, de se laisser séduire par des idées aussi simples que simplistes. Nous le savons, et devons donc réagir en conséquence. Adapter notre réponse en fonction du type de mouvement, et surtout, surtout, ne pas croire qu'on peut simplement l'arrêter. Pour éviter de fissurer nos valeurs, il faut travailler en amont, éviter que la vague se forme. Nous devons transmettre, éduquer, éveiller. Et si nous échouons collectivement, si malgré ce travail préventif, les gouttes s'assemblent et finissent par se déchaîner, alors nous n'avons d'autre choix que de faire confiance à la force de nos valeurs communes. Nous n'avons d'autre choix que d'espérer
que l'éducation permanente a renforcé la solidité de nos principes, dont quelques fissures n'altéreront pas la solidité globale. Heureusement, il n'y a pas que des vagues de populisme. Heureusement, certains mouvements sont constitués d'idéaux indispensables. Amnesty International, Vie féminine, la Ligue des droits de l'homme et bien d'autres. Utilisons-les. Utilisons la force du mouvement d'une vague de progrès. Chevauchons-la tel un surfeur pour l'emmener jusqu'au rivage de nos sociétés. C'est aussi par la lutte populaire, par la déferlante de vagues de contestation, que sont nées l'immense majorité de nos acquis sociaux, l'égalité des sexes, les congés payés ou encore le droit à l'avortement. Heureusement. Heureusement que ces vagues-là ont remodelé certaines valeurs de la société de l'époque. Soyons conscients que, quelles que soient les valeurs portées par les vagues de contestation, elles ne laissent jamais nos sociétés indemnes. Parce qu'on n'arrête pas une vague, parce qu'une idée est comme l'eau, elle trouvera toujours un moyen de s'infiltrer. Il faut donc travailler sur les fondations, s'assurer qu'elles soient assez fortes pour ne pas s'effondrer à la moindre inondation, ou au contraire, qu'elles soient assez flexibles pour en épouser les idées. Toute la difficulté de notre époque est de distinguer ces différentes marées. Nous n'arrêterons jamais le mouvement des vagues, mais devrons choisir celles que nous épouserons. En ces temps où les idées sont aussi nombreuses que changeantes, pensons aux applaudissements solidaires, aux manifestations antiracistes ou pour le climat. Ensemble, soyons une goutte, deux gouttes, trois gouttes. Ensemble, soyons une vague plus juste et plus égalitaire. Ensemble, soyons cette vague inarrêtable. Merci.